Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de Fortnite Battle Royale et j'espère qu'aujourd'hui j'arriverai enfin à trouver cette minigun. Puisque ça fait des jours que je m'entraîne à Tilted Tower pour pouvoir vous proposer une vidéo de qualité tout simplement sur Fortnite. Mais aujourd'hui, c'est le test ultime. Essayez de réaliser un top 1 en trouvant tout simplement une minigun, c'est le but d'aujourd'hui. Et je vous propose de vous lancer tout de suite dans cette aventure avec moi. Alors, où est-ce qu'on va aller? Je pense qu'on va partir pour un petit Salty Springs, let's go boys. On part effectivement full PVP en espérant que cette session soit plus que correcte pour moi tout simplement parce que ces derniers temps sur Fortnite j'avais beaucoup de mal. Du coup je me suis full entraîné à Tilted Tower et je vous avouerai que l'entraînement porte ses fruits. Aujourd'hui on est juste en solo tout simplement et l'objectif c'est de trouver cette minigun que je galère à trouver. J'en ai pas encore trouvé d'ailleurs. J'en ai trouvé une sur la vidéo du Blédard mais on est mort en faisant un top 5 ou un top 7 je crois. Aujourd'hui c'est vraiment pour moi l'occasion de réaliser ce petit top tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, un petit coffre là au-dessus. On va placer le petit piège, ok. Du mini shield, ça fait toujours plaisir. On va se shielder un petit peu, mais d'abord on va essayer d'aller récupérer le coffre. Parce que utiliser du shield sans avoir d'armes, bah c'est un peu la merde. Voilà. Une 3 coups bleus, c'est une bonne chose. Un petit coffre, un kit de soins, ok. On part quand même avec quelque chose de correct sur un petit Salty Springs, en espérant que ce soit la partie effectivement de la chance. Non, là y'a rien. Looter quelques petites munitions, ça fait toujours plaisir. Et puis on va se promener. Aller cueillir des champignons dans la forêt en plein salty. Alors, ok, là-dedans. Ouais. Oh, la petite boogie qui proc, ça fait plaisir. Vas-y, let's go, on y va. Et la petite collade qui vient de rentrer. Vraiment pas mal. God damn. Et là du coup on a quelques petits loots qui font bien plaisir, on va garder le bleu quand même, on va prendre le semi-auto. Je crois que les bugs de shotgun ont été résolus d'ailleurs. On va réorganiser ça vite fait. Je vais garder la bleue parce qu'elle fait plus de mal que l'air verte tout simplement. Et puis on va continuer à bouger, on va aller chercher le coffre qu'il y a au-dessus. Tout simple. Le piège! J'ai tué quelqu'un avec le piège! Oh! Putain c'est con! Dis-moi que ta vie est nulle! Dis-moi que ta vie est nulle! Ah ta vie elle est pourrie! Tu méritais pas de mourir comme ça mon frère! On va récupérer le coffre. On va se poser un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a de beau? Bon, des petites greux. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais laisser la R verte. On verra si je suis pas mauvais à la R 3 coups. J'ai pas l'habitude de l'utiliser en fait, mais elle est pas si mal que ça. Ouais, du petit monde au-dessus. On balance quand même du 30 et de 1. Et le deuxième. Putain, mais c'est. J'arrive pas à les rentrer! Tiens! Un jour je serai le meilleur dresseur. Non, tu pars pas par contre. Voilà. One, two, ok, good. On va récupérer ça un petit peu. J'ai vachement augmenté ma sensibilité sur Fortnite. Je sais pas si ça pourra vous servir, mais je suis en 14-14-60 maintenant, en 400 DPI. Et c'est good. 0,14 et 60-60. Et j'ai vraiment l'impression que ça me correspond bien. Et quasiment la même que sur Rainbow Six, en fait, légèrement changé. Un petit 10 kills qui se profile là, si j'arrive à concrétiser. Ça ferait plaisir. Une petite game à plus de 10 kills de nouveau. God damn. Oh. Monsieur. C'est la vie scolaire. Donnez-moi votre carnet, s'il vous plaît. Où il est, ce con? Ok. Good job. We did it well. On va prendre le petit sniper. Les bandages, on en a pas besoin. On a le kit de soins. On a encore de l'armure. Good. Quelques petites munitions. Un autre piège, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que nous avons? Oh, une aire bleue! Bonjour, toi! Ah, il y a du monde. Attention. Le contact est inévitable. Oh, merde. Encore un piège! J'espère que t'es fâché. Parce que le troisième tir, j'ai peut-être un petit peu chaté. Mais ça n'empêche que tous les tirs qu'on doit rentrer sur ce jeu, il faut les tenter. La preuve, j'ai tiré, je l'ai eu. Good. Et c'est un sniper légendaire qui tombe ici pour les joueurs franco-portugais. Effectivement, on va récupérer les mini-shields et on va continuer à se déplacer dans la pampa. Je t'invite effectivement à lâcher un petit pouce bleu. Si ça te fait plaisir et que t'es en train de kiffer la voix de débile que je suis en train de prendre. Parce qu'effectivement trouver un sniper légendaire ce n'est pas commun hein. C'est vrai que c'est très très rare sur Fortnite. Effectivement c'est très impressionnant. Bon. Toujours pas de minigun en vue.
Ça commence un petit peu à être chiant de se balader comme ça, à poil, au milieu de la pampa, avec du vert, du bleu, du jaune. Du coup, c'est une tentative de top arc-en-ciel, là, un petit peu. On a du gris, du vert, du bleu et du jaune, un petit peu à la Ali Age, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, nous tenterons ce top 1, effectivement, dans une autre vidéo. On va essayer de se mettre en zone tout doucement, on va essayer de se rapprocher en faisant attention, c'est du Tilted Towers. Et il y aura forcément du monde par ici, je pense. Donc je vais me permettre de temporiser peut-être un tout petit peu. En attendant que la zone bouge. Et... ok, bonjour toi. Et je l'ai raté. Super impressionnant. On va essayer de l'engager. Allez mon gros. La petite rafale qui passe. Quand même faire gaffe un petit peu. Faudrait peut-être que je descende, que j'aille le chercher. Je l'ai shieldé deux fois, je crois. Peut-être une, peut-être deux. J'ai pas bien fait attention. Bon, voilà. Nous allons aller vers effectivement le tour. Nous allons rotationner autour de cet adversaire qui, je ne sais. Oui. Oh. J'ai vu la balle arriver en plus. Je sais pas si c'est lui. Je sais pas si c'est lui. On va se mettre là. On va se remettre bien un petit peu. Bon, on va aller récupérer ce salaud. Il se fait engager. On va en profiter peut-être pour le flanquer. J'ai pas l'impression qu'il m'ait vu. Donc nous allons y aller. Écoutez, let's go ma foi. Sachant qu'il y en a un deuxième juste à côté et que ça commence à greuser sévère là. Ok, good. Putain, il a tout le salaud. Il a même une scar. Give me the scar. Hop, 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 hop. Construis, build un petit peu. On va monter. Et on va peut-être d'abord s'occuper du deuxième. Putain, j'ai pas réussi à ramasser la... Ouais, on s'en occupera plus tard. Oh maman, j'ai peur. Allez, construis s'il te plaît. Ouais. On va se healer en deux spies, juste prendre la mini potion pendant que le mur il construit encore. Comme ça je vois un petit peu au travers s'il me rush ou pas. J'ai toujours le temps, je crois qu'il... D'ailleurs il est en train de se faire engage. Il est juste là devant. Not good, not good. Est-ce que j'arrive à me mettre à 75 ou pas? Putain, je le vois plus bouger. Ça pue la merde. Il est juste à côté. Y'a un minigun. Putain, mais il fait quoi lui? Je vais rusher hein. Shield des deux. Il va tomber là, il va tomber. Il a plus shield. Et on va le cycle là. Là maintenant c'est... Faut pas que je le lâche. Viens là bébé s'il te plaît. On arrive dans le top 10. Je vais t'arracher tes petites fesses délicates et t'enfoncer mon shotgun vert dedans. Viens ici Jean-Louis. Minigun légendaire, les potes, minigun légendaire, je l'ai. Enfin, good job, my friend. Les amis, pour cette petite chasse, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Ça fait plaisir, laissez un petit pouce bleu. Allez, viens là, mon bébé. Je vais sacrifier le sniper, tant pis. Tant pis, ok. On ramasse les bandages. Il y avait un shotgun bleu quelque part. Là, la scar et le shotgun, nickel, j'ai tout. Good. On va les ramasser. Et on va s'en aller. Top 10. Top 10 avec 10 kills. Là, on peut effectivement dire qu'on est en train de jouer le top 1. C'est ça, ça fait plaisir, les potes. Toi, t'es là. Viens là. Minigun. Adrien. Monsieur. Monsieur. C'est la vie scolaire. Vous êtes collé. La masse de loot, mon frère. Oh lolo. Viens, ramène-moi ça. Donne-moi tout ça. Je vais même pouvoir me shielder à 100. Good. Fermé dans le petit toit, ça m'évitera de me prendre une grenade sur la tête si jamais je fais des conneries. On va essayer de profiter un petit peu de tout le... Oh, une scar en or. Good. On va essayer de profiter un petit peu de tout ça. Avant qu'on se fasse récupérer tout simplement. Oh, 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 oh. Non. S'il te plaît, non. Oh. Oh, la zone, la zone. Oh, maman. Maman. Putain, j'ai laissé mes potions. Non, maman! Je veux pas mourir maintenant. Maman, non, hop, hop, hop. Non, c'est pas ça, c'est ça? Il va falloir que je fasse une solide snake pour m'échapper de cet endroit. J'essaye de localiser le sniper, mais je ne le vois pas. Maman, je vais peut-être. Arrête! Où il est ce connard? Jean-Louis, attends, en plus j'ai pas de grenade, j'ai pas de. On va fuir. Il faut que je me casse. J'ai vraiment pas le choix, il faut vraiment que je me casse. Bon. Retrait tactique, ce n'est que partie remise. Arrête, arrête, c'est du harcèlement sexuel, monsieur. Vous êtes
Ah, vous êtes en train de me harceler. Fuis. Oh putain. Oh yo yo yo. Oh maman, au secours, au secours. Oh yo yo yo. Ok. Now it's time. Tiens, souffre, souffre. Meurs dans d'atroces souffrances. Meurs. Ok, il est descendu, let's go. Il va rebuild un petit peu. On va en profiter pour se casser. C'est pas... Ok, il est juste là. Monsieur. Monsieur. C'est le service de nettoyage. Je viens passer l'aspirateur. J'aimerais que tu souffres dans d'atroces souffrances. J'aimerais que tu meurs en ayant mal. Oh oh, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, mon frère. Tu descends. Tiens. Viens ici. Putain. Arrêtez de me harceler. C'est quoi ces tirs de shotgun là? Je vais aller là-dedans. Et je vais essayer de faire tomber la tour. Si, franchement, si je prends un tir de sniper, c'est pas de ma faute. Là, il faut que je fasse mon jeu. C'est un move à tenter. J'ai pas le choix. Comment je vais faire ça? Let's go, mon pote. Tombe. 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 Il est au-dessus, si il se balade. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il me tire? Ça me paraît compliqué. Ok. Il est tombé, il est tombé. Il est tombé. On va attendre, hein, on va temporiser. Sachant qu'il en reste plus que deux, on en a un ici. Faut juste faire attention à pas se faire rusher. Il est descendu. Allez, tiens, il y a plus de shield. Non, mais... Arrête de me harceler, enfoiré. Non, mon kill. Enculé, tu vas le payer. Ce top 1, il est à moi. Il est là. Now it's time. This is coming from the underground. Meurs, meurs, meurs. Meurs. Putain, meurs. Allez. Allez. Putain, mais c'est incroyable. Il est trop fort. Allez, viens ici. Viens ici. Allez. La petite victoire royale qui s'éproque là. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, je me suis régalé. J'ai même souillé le dernier au minigun. 13 petits kills, c'était ouf. C'était insane, c'était tendu. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Évidemment, c'est super important pour quand je lance un live ou tout simplement qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Moi, je vous fais de gros bisous les gars. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce gameplay. Ciao tout le monde. Peace.